attaque et accusation. Ça a semblé sous route pour créer gros division dans la famille opposition. Attaque contre ancien sénateur Moïse Jean-Charles, dirigeant parti politique Petite Dessalines, minimiser toute attaque, certains responsables politiques qui dit en opposition a tenté sale image. D'après ancien sénateur Noan, c'est parce qu'il fait échec à plan communauté internationale qui t'a visé convaincre opposition pour cohabiter avec régime qui sous pouvoir, qui fait responsable parti politique ça yo mandé déchaîner contre les contre position. Malgré division qui gagne en opposition, yon branche dans le secteur ça a été attaché à revendication qui c'est fok équipe qui sous pouvoir et raché Mayokli vive Haïti entre temps prêché union en mitan opposition politique la porte-parole vive Haïti Aroni Timothée fait connaître déjà travail sur un nouveau calendrier mobilisation qui a pas continué. Population doué prend responsabilité pour arriver à aboutir à départ Jovenel Moïse avant 7 février 2021 d'après membre secteur démocratique et populaire Sidney Claudia Katé en homilis profiter saluer détermination population malgré intimidation gang exam proche pouvoir qui pas hésité prend la rue en 17 octobre passé. Ça cap vive toujours l'ouvris oreille nous grand pour entendre 944 moun mouri assassiné dans le pays d'Haïti. C'est ça qu'on est évidemment sorti mois janvier pour arriver mois décembre 2020. Dans deux dernières années, 9 massacres faits dans le pays tant qui cause la mort 306 moun, sans compter 55 moun qui disparaissent, y'a pas quitté trace. Nous avons cité l'organisation Petro Challenger, nous pas dormi. Structure ça a lancé pour à partir 20 octobre, yon campagne dans la rue pour dénoncer impunité et banalisation de la vie moun dans le pays d'Haïti. Et on a moun qui perdu la vie dans série Zak assassinat et ça yo, c'est mettre Montferrier Dorval. Entre temps, il y a un nouveau rebondissement dans le dossier, assassinat ancien doyen, ancien bâtonnier, l'ordre d'avocat Port-au-Prince, et c'est confirmé, il y a plusieurs pièces sa conviction dans le dossier de Mohamed Dorval là qui disparaît dans le greffe tribunal de première instance. Port-au-Prince, constat légal lui a montré à Clegue deux tiroirs qui crasaient dans le greffe paquet lorsque porte principale là. Pas de crasé. Direction générale police nationale d'Haïti déplorée à travers un autre incident malheureux qui a provoqué la mort policier Jean Rosner Glézil. Dans l'occasion d'une opération, la police avec la justice a mené la nuit 14 pour l'ouvrir 15 octobre dans l'hôtel Révélation qui est dans Delma 35. Direction générale police l'a présenté condoléances libres et familles proches à tous les policiers en général et collègues et victimes en particulier. Direction générale a profité occasion ça pour rappeler toutes les policiers et policières dans toutes circonstances ils doivent observer les règles de base ils apprennent dans l'école académie police pour protection personnelle à l'autre monde. La question de la justice n'a pas pour nous parler des audiences correctionnelles et civiles qui commencent comme ça doit dans le tribunal première instance dans Port-au-Prince mardi 20 octobre. Le tribunal l'attendait plusieurs dossiers correctionnels, parmi eux dossier lévitique Jean-Marie, qui est joué en arrestation depuis dans l'année 2016 parce qu'elle avait utilisé marijuana. Tribunal correctionnel l'a libéré après 4 années passées dans la détention préventive prolongée. On a gagné un grand reportage avec collaborateur Marc Gerson Félicitain. Dossier assassinat policier BIM là dans Pétionville, la police dans le département sud transférée dans la direction centrale police judiciaire des CPJ au Benz Saint-Dor après arrestation dans la commune Cavaillon. D'après responsable, c'est présumé bandit ça qui tatouillé policier en Michel-Ange François samedi 17 pour l'ouvrir dimanche 18 octobre là dans une discothèque dans Pétionville. Examen baccalauréat après réalisé dans le département sud-est là Campil Gagotte, c'est déclaration Garland Sloyer coordonnée communal Unoé dans la région, même plateforme syndicat ancien sud-est qui précisait divers examens dans la rue, même avant d'arriver dans la salle à la joindre candidat. Bourrego qui sans couverture, canal qui pas nettoyé, mettez sous pile fatra, pas pile et pas ma conne dans tout coin.
représentait une grosse menace pour les gens métropolitaines. Port-au-Prince, organisation sociopolitique Vive Haïti a tiré attention aux autorités qui concernent yo sous tête chargée ça. Les FAO exhortent ministre Joyce Snyder pour prendre responsabilité pour épargner capital là des situations catastrophiques ça. Chaque fois un petit lapin tombé sur Port-au-Prince à zone qui environne yo. Et puis matin on a différents rubriques nous comme d'habitude chaque matin on a pas gain pour nous recevoir madame Christnette Saint-Georges qui pourrait dire nous quitte l'affaire Jodia sur pays d'Haïti. Madame Christnette Saint-Georges n'a présenté depuis l'unité hydrométéorologique pays d'Haïti UHM tableau météo a monté n'a fait très chaud Jodia toutefois pas gain trop gros changement dans la situation tant par rapport à qui est Masler a toujours gain humidité là-dedans encore nous doit attendre nous après-midi à ou bien à Shreya avec la pluie sous plusieurs départements nous. Félicitations pour tension temps avec madame Christnette Saint-Georges, c'est tension béton, tension la rue hein, avec 4x4 là, Mackinson Rémy. Tension maître Mackinson Rémy déjà dans main, l'aptan signal nous pour venir dire nous comment les constater Port-au-Prince zone qui sous côté lieu réveillé pour matin, ils ont rendez-vous chaque matin en direct tout de suite après nous fin qu'on quitte l'affaire avec Mackinson Rémy pour nous capable ouais puis bien qui côté pour nous mettre pied nous planifier une bonne journée, rendez-vous nous pas droit manquer rendez-vous à 4x4 là, c'est à partir 5h35. Nous avons des voix qui sont correspondants permanents New York qui déjà sur place pour nous connaître comment la province New York réveillée pour matin. Après, c'est le même exercice 4x4 là avec correspondants permanents New York pour aider nous comment respirer à lever pour matin. Bienvenue déjà dans l'actualité. Ville provinciaux, même gens avec ville provinciale pour nous traverser l'autre bord frontière pour nous regarder comment voisin dominicain a pleuvé matin à travers ça. Yo écrit dans le journal yo, et pour ça nous gagnons avec nous. Alexander Galvez, qui ça, journal dominicain, Audi et matin, quelques grands titres pour nous, et notre cousin dans Payol matin. Bonjour Pernel, bonjour Fat, et bonjour à vous, bonjour Gary. Effectivement, dans le journal Les Sindialio, il y a un département de persécution juridique qui mandait pour plusieurs autorités comparaître devant la justice après qu'ils aient fait témoigner, et bien l'agent patrimoine. Parmi eux, on a vu Félix Batista, on a vu une ministre de la jeunesse actuelle dans le gouvernement Abinadella, et ensuite, il y a un magistrat dans la commune de Pedrovan. Parce que l'agent fait peur, l'agent fait une grimace. Selon les syndicats, encore, après que le président Abinadel déclare coup rouge derrière la corruption dans le bas de l'État, eh bien, hier, il y a aussi un gros protocole d'accord avec l'ONU. Eh bien, l'ONU qui entre fond dans la corruption, il dit la papier Saint-Domingue a tout ça le besoin parce qu'il y a un pile bagaille qui n'est pas clé, spécialement dans le gouvernement qui était là, eh bien, un pile l'agent perdu. Eh bien, l'analyse dans le journal Diao Libre qui s'en ouvre, eh bien, ministre de l'Environnement demande concours avec la Procuration de la République. L'élite joint dans un payroll 10 millions de personnes chaque mois qui t'a poulé dans des gens qui n'ont pas jamais travaillé, alors que un groupe employé qui a 9 mois pas jamais touché, et bien demander la justice, et bien pour mettre les mains sur le monde, non seulement arrêter, mais porter l'argent tourné, et bien 10 millions de personnes pendant 8 ans, je t'ai touché. Et dans les tours dans le journal OI, qui s'en nous vient en pile espérance dans la ville de Barahona, le président Abinadel lundi, qui fait toujours un Barahona, et bien, nous avons qui ça le bas, qui ça pourrait être et en pile contentement, et nous parlons de qui ça un petit monde de 6 ans, crier président qui ça le deal, et président campé machinal, il descend dans un petit monde. Et bien, pour nous finir notre Bernel, selon ça, nous investiguer non, et Tigre en espagnol, maintenant, nous allons regarder comment de l'État, comment de l'État, gérer ses métiers, et quand elle a tout géré Malikonyo dans deux capitales là, dans deux capitales, ça veut dire dans deux Brésiliens, nous passons tout le matin à 7h dans le Bobsé, dans le pays d'Haïti. Dans leur pays d'Haïti, leur République Dominicaine, les îles à actualité internationale là, c'est à Clidy Alexandre dans le dernier parti journal là pour toutes les dernières nouvelles Cap Dominé, actualité à l'autre bonne. Et bien aujourd'hui, nous 62 gouttes 26 pour $1 américain. Et puis, on a fait bien pour nous saccager l'actualité internationale là, avec Lydie Alexandre. Oui, avec Lydie Alexandre, c'est dans le dernier parti journal là. Et puis, on a fini net avec l'actualité sportive là. Et là, c'est toute équipe sportive là qui a rejoint nous. Au grand complet, Jacques Anzil Fort. L'amour pour toutes dernières nouvelles qui ont dominé l'actualité sportive là. Ici, Claude Baudelot. Voilà, amis camarades de partout, haïtiens, haïtiennes, paysans, paysannes. C'est information si là, à divers lot n'a tourné pour nous venir développer pour vous. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bon mercredi, nous comptons rejoindre au matin. Hein? C'est même contentement à la caille madame Christnette Saint-Georges, le LINA UHM, unité hydrométéorologique pays d'Haïti, avec madame Christnette Saint-Georges. Nous allons prendre tension temps. Bonjour madame Saint-Georges.
Bonjour Gabon Bisset, bonjour Guerrier, bonjour Pierre Ronel, bonjour Rémi, bonjour Grégory, bonjour Junior, bonjour la jeunesse haïtienne, bonjour chaque auditeur, auditrice qui déjà branché Radio Caraïbes, c'est toujours un devoir. Pour nous connaître comment la situation météorologique est présentée dans la Caraïbe sous Atlantique, aujourd'hui, mercredi, qui c'est 21 octobre 2020. Nous avons un tropical qui est localisé dans la partie l'est pays Jamaïque, qui génère humidité sous la partie centrale à occidentale région. Ça, le génial effet local pour faciliter l'activité de la pluie encore sous le département nord-ouest, l'ouest, sud-est, sud, grand dans la fin après-midi en Aswaya. Pour Port-au-Prince, zone qui entoure nous, possibilité d'activité la pluie toujours qu'elle est tout, dans quel côté, dans Port-au-Prince ou Aswaya. Pour la mer, c'est précaution, prudence, zone côtière nord, côté vent lui-même a soufflé jusqu'à 15 nœuds, hauteur bateau a élevé jusqu'à 9 pieds, la mer mauvais, nous demandons des mounes qui a fréquenté zone côtière nord, tant plus soufflé, prend précaution. Pour Gonf Lagona, vague zone côtière sud, encore une petite prudence, toujours importante. Pour soleil, il y a pleuvé à 6h46, c'est la couche à 6h21, pour lever jeudi matin à 6h47 minutes. Température a viré collée entre 28 à 35 degrés Celsius en moyenne, et la tombée dans la nuit là entre 18 à 25 degrés Celsius en moyenne. C'est là nous mettons un bout dans ça qui vient pour nous, dans les affaires météo. N'a remercié la belle équipe et auditrice Radio Caraïbe. Nous souhaitons passer un bon mercredi. Mais pas oublier la jeunesse. Continuez à aller à l'école, continuez à casser bête nous, continuez à apprendre un métier quelconque qui est capable de nous avancer et ou même qui est dans l'université, continuez à ça ou à apprendre. Qu'est-ce que vous avez bon mercredi. Merci beaucoup, Madame Christette Saint-Georges. Allez avec pouvoir bon Dieu la vie. Hein. Nous cassons rendez-vous avec vous pour demain mardi, 4e édition. Bienvenue tout le monde dans l'actualité béton, la rue, avec 4x4 la Mackinson Rémi pour nous connaître comment la rue Port-au-Prince levée pour matin en PRM. Oui, déjà, ça nous doit connaître la pluie a tombé hier soir sous Port-au-Prince et là, la pluie a tombé sous région métropolitaine. Elle est difficile pour jour qui vient après. Et là, nous capons imaginer avec qui difficulté Mounio a sorti la caillou dans certaines zones côté de l'eau a monté. Circulation très difficile. Mackinson Rémy avec nous dans le cœur capital là pour présenter une comment Port-au-Prince avec zone qui sous côté Lyon levé pour matin météo annoncé la fête très chaud hein. Je dis à nous pas connaître dans l'autre niveau Rio comment ça pral présenter. Mackinson Rémy avec nous pour présenter une première image journée qui pral dit nous comment journée li pral passer. Mackinson Rémy, bonjour Port-au-Prince. C'est Alexander Gavès, c'est moi-même Mackinson Rémy qui a présenté comment Port-au-Prince réveillé pour matin. Eh bien, nous, en face du collège Marie-Reine, et en face du collège là, en bas pour plan, tout près de la lune, nous avons présenté comment Port-au-Prince réveillé pour matin. Trois axes qui connectaient avec Pétionville, levé 12 par 8 pour matin. Donc, Tibus, Cap Soti et Pétionville, Cap Descend, Baboudon, Cap Passé devant le côté de là. Bon collège Marien, n'a pas capable de passer sans problème pour matin, hein. Il va jusqu'à Port-au-Prince. Tibus, Capsotti et Pétionville descendent par des bosses, passer devant Timacouin, mais sur tout design, descendent n'a pas capable de arriver jusqu'à Port-au-Prince. Sans problème pour matin, hein. Matin, nous montons, nous descendons, maintenant sec, coup et pain, et la police toujours là pour accompagner la population. Et puis, j'ai des camionnettes qui sont aussi et Pétionville, zone cimetière, n'a pas capable de arriver jusqu'à Carrefour aéroport. Et que l'autre qui fait demi-course, Carrefour aéroport, qui a privé juste Carrefour aviation, sans problème pour matin. Matin, trois axes à levé normal. Machine qui a sorti dans le sud capital, la machine qui a sorti Tiguave, machine qui a sorti Léogane, Mariani, Bordelot, même si c'est ça, il a demandé pour le ministre de vous et j'ai gardé, Fontamara, Martissan, a privé Portail Léogane sans problème pour matin. C'est dans Portail Léogane qui disait que le bus commençait à charger. Et pour aller Léogane sans problème pour matin, hein, alors qu'il y a un pilote à charger, ensemble avec une autre occasion pour aller Jacmel, plusieurs gros bus déjà quittés pour aller au CAI,
passé sous grand rue, en pile bus déjà lagué, il a chargé pour y aller Jérémy, mais sous les arrivées tout climatisé, c'est dans rue pavé pour aller prendre union bus avec deux qui décident. Et dans même union bus, ça, c'est chaque dimanche, il fait voyage pour ce domaine. Parce que nous avons sorti dans notre capitale là, nous avons sorti Corail, Canara, Jérusalem, Minoterie, et est capable de passer sans problème pour matériel sur route 9, et est capable de passer sur route nationale numéro 1. Il va le croiser bas pour bas dans le cap et il a viré pour y aller dans des zones, parc industriel là ou bien bon 3 mètres. C'est dans le parc industriel là, plusieurs employés toujours à rentrer pour y aller chercher la vie. Machine manger, comme si à l'atelier quoi au devant, alors qu'il y a face là, plusieurs gros bus déjà chargés pour aller dans le département nord-est, sans problème pour ma terre. Donc, pas oublier, mettez cache-nez, respectez la distanciation sociale là. C'est un ministère de santé publique et de la population, madame. Machine qui a ce petit escorte matin, a descendu paisiblement, fait mat, il a passé la boule vers les reins. Vers les reins 5 devant le président, là, comme la police là, toujours là pour protéger le chef d'État. Eh bien, la Pétionville, le marché Cocoyac, marché Télélé, si marché ne commence à mettre à terre sans problème pour matin. Pétionville, pas tout n'est quoi bossal, c'est décision de la mairie, mais soit sorti, zone Esclanatina, pour aller zone Carrefour Peignon, capable de descendre sans problème pour matin. Dans Carrefour Peignon, pour aller Carrefour Fleuriot, on est capable d'arriver sans problème. De Carrefour Fleurio à Carrefour Marassa, matin de remarquer quelques côtés de tabac qui est courant, de Carrefour Marassa à Croix des Bouquets, on est capable de traverser presque sans problème. Mais là, il vient de Croix des Bouquets, et ça m'a réfléchi en pile zone, pour tonne soleil levé, parce que les effets historiques, même, ils sont toujours là pour veiller contre le météo. Comment ça y est, sur 43-29, 77-40 là, qui ça, auditeur, vous voyez 10 journal première occasion, nous allons regarder ensemble, qui ça, auditeur, vous voyez 10 journal là. Plusieurs citoyens, m'a dit pour autorité dans la zone passe-bois d'homme, est capable de gérer la situation pour sortir la colline et depuis la piste de son véritable problème dans le passe-bois d'homme, on ne peut pas sortir dans la zone ça. Des zones qui arrivent côte de fer, la situation pas bon même, sortir la colline pour le côte de fer à cause de rivière depuis la piste de on a demandé pour l'autorité de gérer quelque chose pour eux, dans le passe-bois d'homme qui pue bas fond des nègres dans la banane, donne piment pour avant melon. Situation pas bon même, selon ça, et Mounio fait, Radio Caraïbe FM connaît. Plusieurs citoyens dans Léogane réécrit encore. Puis passer 200 messages, nous recevoir ce problème Léogane. Le problème ça complexe avec question insécurité à Nadabon. Plusieurs citoyens m'ont dit faut que député a ta dit mon parle tout dans la question sécurité. Plusieurs citoyens dans la zone ça, t'as fait connaître. Puis faut bandio et te gagner acquaintance politique dans la zone ça. Mounabon, qui groupe gang ça, qui est mort raide dans la tête marché d'abonnement. Et ils ont accusé et casé Katou qui bout à fond Jacques député A pour appliquer ce bandit ça y est, parce que ça y est, il y a un bon Jacques côté politique, selon ça, et la population a dit. Donc, bandit ça y est, qui a misé, non, violé le monde, tout le monde, la situation qui est difficile dans la bonne, petit bonnet, pas facile même dans la bonne, chef de ça, selon ça, il dit les Carrington, il y a un pile problème. Il y a demandé pour la police, pour un bon Jacques disposition dans Léogane, pour capable de gérer que son gang ça, ça a un pile problème dans la zone ça. Alors, ce que la population a demandé, et pour la police est capable de renforcer notre police qui nous donne ça tout, mais c'est un sous-commissariat, renforcer notre sous-commissariat dans plusieurs zones qui l'a dit pour quoi. Alors c'est notre débrouille, la population a demandé, directeur général police là, M. Normil Rameau, mettez un sous-commissariat dans le cap de Bosna, pour équipe n'est qu'à lever bonnet, fouiller le monde, situation pas bon même dans la zone ça. Je dis faut que la police se font gens parce que machin ne va pas lever bonnet. Plusieurs citoyens dans les organes plein et tout, à cause de l'état route nationale là qui pas bon même, voler profiter ralentissement pour braquer monde dans la zone ça. Demandez pour que les tests capables de faire gens, gérer la situation. Goupil tel est la vie tombée qui tourne dans la route là et cause gros accident, en même temps il cause gros ralentissement. Situation pas bon. Même dans les organes, qui sont black out là, sont véritables problèmes. Population, elle est en moins. Mande EDH, ministre PPTC à Fongeant, j'ai quelque chose à pour eux. Moun nan 4e à 3e section, dans la commune Gomon, après les hommes pour tribulation, il y a passé selon ça, il dit, en bas, vieille route qui est liée à ville Gomon, pour aller dans la 2e section, ça y est, situation pas bon même, pendant qu'ils ont là, dans la 4e section, et SAP Wash Clo, demandé pour TPTC comme projet avec CNE, gérer la situation ça pour eux, situation vraiment difficile dans la zone là. Donc, moun Gomon, il n'y a pas qu'à gagner compagnie à SAP la caillou, alors que c'est eux-mêmes qui sont victimes, situation mauvaise route. Plusieurs citoyens qui vivent dans le pays brésilien en moins, ils ne sont pas capables de vivre leur famille dans le pays d'Haïti, parce que le pays Panama m'a dit, et pour faire escale, parce que j'ai visé à Panama, alors que même de son avion, même c'est pas ce qui a passé, je m'a dit pour diplomatie haïtienne, pour boucher la question ça, situation pas moi-même,
parce que les gens qui sont au Brésil ne sont pas capables de joindre un visa à Panama. Alors que en plus là, ils veulent retourner dans le pays d'Haïti, vivre leur famille. Alors que les gens qui sont au Chili, si vous avez le même problème dans tout, c'est que tu pas bon même. Parce que le pays et Panama bloqué tout le monde, ou pas capable de faire escale dans le pays ça, sous pas de visa, c'est de ça l'autorité Panama. Et fait qu'on est haïtien, il y a un pile problème dans le Chili avec le Brésil, il n'est pas capable de casser tête tout même. Alors que nos peignés, la population toujours avec une radio Caraïbe FM, il fait qu'on est situation plus difficile, machine et au piéton, pas capable de se tibouler dans la zone ça. Vivez juste pour Fatima. Bon, dire à ces zones ça, là, j'ai content, demandez pour la police renforcée, sous commissariat Peigné, c'est gros causé, mon dieu, le travail pour ne pas qu'à lever bonnet, même, en bas, n'est qu'à examen, qu'à fouiller monde, si ma chaîne pas qu'à sortir, ce petit gros, j'ai fait des 28 à Peigné 40, situation vraiment difficile, alors que, n'est qu'à fou Peigné devant l'école nationale là, c'est la même, bon dieu, renseigné monde, situation vraiment difficile. Client, plusieurs blocs, banques commerciales dans le pays d'Haïti, sans pas besoin de prêter et doit tout dans nos sous et quelques là-dedans, plein à cause de l'argent américain, il n'y a pas de vendre le monde. C'est seulement 50 de la poule qui sauve le vent nous, situation ça compliqué. Il y a des gens qui veulent acheter des machines aux États-Unis, machines Panama, des gens qui veulent vendre ce domaine, ils ont des autorités aux fonds, j'ai une question ça pour eux. Plusieurs citoyens qui vivent dans la zone Saint-Christophe, demandez l'État ici, prenez un autre sur 54 la voie là. On dit que les blacks Satan dans la zone Saint-Christophe, il y a plusieurs mines sables dans elle. Et ces mines sables, on dit qu'on a pu se passer 200 autres bandits qui font partie du groupe 4 Marozo. Et bien, c'est l'agence qui a collecté pour acheter des armes, pour munitions pour terroriser la population. Plusieurs habitants qui vivent Saint-Christophe, demandez aux autorités au point de contrôle mines sables, qui va être plus passé 200 000 dollars haïtiens chaque mois. C'est une situation qui est difficile. Donc, si Bandio qui est côté pour faire comme, il y a toujours qu'à acheter des armes et munitions dans la raquette, c'est une situation qui est compliquée. Donc, route nationale numéro 1, toujours dans une situation difficile. Nous demandons pour l'autorité de prendre contre la situation, ça, c'est son stable qui a baillé l'argent. Et c'est Black Satan même qui a géré la zone mine Sabsa. L'État haïtien perd du contrôle. Situation, ça. Nous demandons pour l'autorité de faire genre. J'ai une question ça pour vous parce que la situation, vraiment difficile. Plusieurs citoyens qui ont vu zone Bordeaux dans Mariani, moi, des ministres de PDC à Fonjan, j'ai une question ça pour eux, ou de là-bas, bon même, parce que dans la plaine de marins, population reliée à cause de voler, moto cap, pile problème. Dans mon Bécochi, population, moi, des ministres intérieur Fonjan, j'ai une question magistrat pour eux, donc magistrat remet démission, comme une nalague sous pilotage automatique. Alors que plusieurs monde qui a pris machine, demandé autorité, réfixé pour que ce machine, parce que chauffeur taxi toujours après 50 gouttes dans mes passagers. Pas oublier, numéro de la police, c'est 114, pareil, les sous pas besoin, donc ambulance nationale, c'est 116, numéro 10 n'est pas, c'est 59-59, sous la l'an, mais pas oublier, relais, et pour relais dans 87-22, c'est numéro Semana. Déjà, bonne journée à tout le monde. Merci un pile 4x4 Mackinson Rémy. Bonne journée. Nous saluons tous les amis nous dans 8e avec 5e section Bénin qui fait nous connaître. C'est sous Bigo FM. Il y a pas suivi le journal Lan Chapouba devant toute équipe Bigo FM. Non, pendant que Papa tourne, les mêmes signalés nous. Il y a un petit arrangement qui a fait avant longtemps. Donc, tout paysan qui qu'on habitué suivre Grand Boulevard. T'as coup d'antoine, dans Gérard, dans Percha. Dans Bambourele, il y a attendu correctement, très bien. Et donc, merci un peu l'année avec Yves Eliassin, Maché Cajeune, qui fait qu'on ait un journal là, coulé clair coup de l'eau cocoyé, sous Bigo FM, dans le moment où on a parlé là, dans le département sud-est, pays d'Haïti, commune Bénin. Quoi y est là, nous rentrons d'emblée, amis auditeurs, dans le développement journal là, nous souhaitons bienvenue là-dedans. Mais bonne nouvelle, finalement, Nations Unies, passez main. Dans Zuli, pour le capable ouais réalité à en face, contrairement avec information qui est relayée avant, pour t'aller laisser comprendre coalition gang G9 yo et gain un gros poids dans balance insécurité hein, li réduit, mais donc tout le monde est relé en moins, mais je ne jodi hein, dans dernier rapport secrétaire général Nations Unies hein, sous Haïti, et bien on fait qu'on est et même bilan on fait. Et son exercice qui pas facile, n'a pas fait pour vous, n'espérons pas comprendre ni, nous toujours essayer la donne. Exercice français créole direct là. Et yon l'année après, départ, dernier force là, qui c'est mini juste, contexte sécuritaire là dans le pays d'Haïti, l'irrité fragile tant qu'on s'est fêlé. Avec épisode sans arrêter, montée violence là, dans la population,
et ces populations qui, malheureusement, principales victimes. Dans le rapport, ça vous fait qu'on est, depuis après la mort, M. Montferrier d'Orval, dans la date 28 août, en pile maman, depuis même avant la mort, en pile maman avec papa petite, Timoun étudiant, homme des lois, travailleur, entrepreneur, tout passé en bas, ou l'eau compressif, ça a que nous relè insécurité, qui vient renforcer, ça n'a pris les, on la pérèse chaque jour, dans un pile famille, dans un pile foyer. Dans le rapport ça, il fait qu'on est des centaines de familles actuellement gagnées qui abritent ou bien hébergées dans la langue française. Nous avons eu des petits counouk de fortune après que vous gardez caillot à vivre depuis un bon bout de temps passé en bas flamme du fait quand on est net incendié par des gangs. Notamment, vous citez quartier Tankou, quartier Bel Air, La Saline. Défenseur droit moun, journaliste, tout moun menacé. Et gagné qui gagne gros menace la mort, qui a pesé loup sous dos. Peut-être y a été révélé des informations ou bien y a été dénoncé certaines injustices. Dans le même rapport, ça, dernier rapport, secrétaire général des Nations Unies, sous question du pays d'Haïti, il fait connaître que en pile manifestant, tant qu'étudiant Grégory Saint-Hilaire, il a perdu la vie, il a blessé, parce que il a été levé campé pour participer dans des mouvements de revendication pacifique. C'est sous réalité ça que il a fondé des marches citoyennes pour capable demander sécurité et justice dans la coupe d'Haïti. Dernier rapport, secrétaire général des Nations Unies sur la situation du pays d'Haïti, il est présenté par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans la date 5 octobre 2020. Il a tiré Sangrele sans cacher main, vous et wash, il a sonné, il a cri d'alarme sous impact et croissant violence qui vient dans le pays d'Haïti. Et surtout avec ça, qui est lié avec gang qui a fait des faits sous la population. Dans la capitale, la bande criminelle qui a une grosse âme dans la main, et yo paraît visible, tout le monde côté, et yo vient augmenter chaque jour, bon Dieu mettez, brutalement, nombre de victimes dans divers quartiers. Violence gang, yo, d'après ça, on fait qu'on est, une incidence directe sous activité économique, là, tout le monde est capable de ça, qu'elle est formelle, qu'elle est informelle. L'IGE impact tout sous emploi et sous l'autre activité dans le pays. Dans ce sens, il fait connaître que ça vient cause tout une situation de vulnérabilité dans le pays, côté un bon accès qui réduit, qui limité avec service. Et même gens avec service assainissement, santé, éducation. Dans ce sens, ça, dans le même rapport, ça, il a présenté, il a fait connaître que il a préoccupé sérieusement devant la bataille qu'a mené pour ta gagne élection dans le pays d'Haïti. Il a posé tête aux questions, est-ce que l'élection est capable possible dans la situation ça? Les rendre compte attaque armée qui a fait dans le dernier temps ça depuis des années dans la Grand Ravine, dans la Saline, dans Bel Air. Donc dans ce sens ça, moun kap komet zak yo, yo pa jam kapab traîner réellement devant la justice. Bureau intégré Nations Unies dans le pays d'Haïti, Buni, li condamné sans réserve à toute force li, toute zak violence qui a fait contre la population et qui contribuait à monter l'insécurité sur le territoire national. De plus, il fait rappel ça à l'État haïtien pour dire que il y a une obligation pour prendre toutes mesures qui sont nécessaires. Il y a une façon pour protéger la population vulnérable qui prend en otage par action malhonnête, criminelle, gangue. Et pour capable renforcer davantage la police nationale, là, bah, le moyen pour capable une présence bon côté population, hein, une population qui est déjà vulnérable, pour arriver à combattre menace ça, danger ça, entrave ça, et qui entrave démocratie, justice et stabilité dans le pays d'Haïti. Pour finir, Bunidi déplorer impunité
on bande criminelle, bande armée a joué dans le pays d'Haïti. Pour Bini, c'est un affront à l'état de droit et les capables viennent pondre l'autre cycle de violence dans la société. Dans le 12 octobre dernier, le secrétaire général des Nations Unies a renouvelé appel à Salrelé, on cesse le feu global en façon pour arriver à protéger la communauté qui touchait dans la crise sanitaire COVID-19 là, et pour être capable d'avoir un espoir de paix et de sécurité. Appel ça, les concerner Haïti directement. Membre fondateur organisation Nations Unies a demandé pour toute violence ta kaba pour gang armé ta suspend donc kidnapping assassinat attaque intimidation contre population donc nous pas capable continuer à vivre comme ça. Nous encourager acteurs dans l'état pour commencer et il parlait du CNDDR qui c'est une entité nationale qui a sous responsabilité pour coordonner lutte contre violence en dans collectivité yo, avec l'autre acteur dans la société civile là. Il parlait des groupes jeunes garçons et jeunes femmes et ben pour capable manifester j'ai nous davantage pour comment nous capable réduire violence dans chaque communauté dans chaque territoire qui moyen pas de moyen pour ça bon pas de moyen et bien ce deal là présence la police là donc les limiter dans quatre côté population en otage faute de moyens. Ils sont impératifs tout malgré des défis. Haïti t'a supposé suivre chemin cap mener dans stabilité et sécurité des conditions essentielles pour un développement social économique durable dans pays en façon pour arriver aider autorités nationales à atteindre objectif yo mission pour déployer dans sens ça conseil sécurité Nations Unies te déployé dans pays nous connaît dans l'année 1995 te contribué dans développement institution l'état et te gagne un corps policier professionnel qui te gagne 15 000 policiers yo mandé pour réduction progressive personnel en uniforme Nations Unies nous songe dans dernière année et transition te fait côté c'est un bureau politique qui te gagne un mandat conseil là et pour te accompagner c'était un signe professionnalisation que t'a continué pour te capable permettre la police nationale là avec l'autre institution d'un pays à prendre toute autonomie. Et ça a démontré une capacité renforcée pour être capable d'entreprendre diverses activités de prévention contre crime pour lutter contre problèmes de corruption et impunité qui a rongé la nation. Cependant, je ne dis pas, tout le monde constate. Malgré tout, j'ai fait ça. Et donc, il faut qu'on continue à faire toujours. Nous sommes capables de dire qu'il y a un progrès qui a été pour faire toujours. Effectif police là, il est insuffisant pour être capable d'accomplir la tâche correctement selon le standard international. Là. Et principe force sécurité des Nations Unies a affecté, on manque criant financement. Il manque de formation, équipe adéquate, faire des machines correctement, mais il y a toujours un support dans ce sens-là. Et dans le rapport que vous présentez, guerrier, mon rapport vraiment accablant, contrairement avec Jean, vous avez dit avant, vous rendez compte, situation invivable, et vous même à poser cette question, et qui moyen, qui dynamisme, n'a pas le mettre en place vraiment pour arriver dans le quartier populaire, mettre campé bureau pour organiser l'élection dans situation tête chargée. Nous, aujourd'hui, à son rapport vraiment lamentable sur la situation sécuritaire. Oui, Nations Unies qui n'ont pas eu depuis un bon bout de temps et chaque mandat pral fini, surtout dans le mois d'octobre, hein, nous toujours noté des situations qui. Il n'y aurait pas de conscience qu'il aurait échoué tout le monde. Oui, et là qui bilan tout par rapport à mission que vous avez gagné. Il y a une mission que vous avez gagné, c'était accompagner la police nationale, la professionnaliser. La police nationale qui est en crise, hein, je dis, par rapport à ensemble de problèmes qui a privé dans l'institution. Donc, c'est occasion tout pour Nations Unies, tu as fait bilan présence li en Haïti. Nations Unies, pas de jamais organisation qui a défendu Haïti depuis l'existence li, d'après ancien sénateur Steven Benoît, qui dénonçait comportement ou l'aime de bord organisation mondiale la sous situation Haïti. Ainsi, 27 septembre 2020, secrétaire général Nations Unies a été voulu légaliser Fédération Gang Armée en Haïti. L'OLT fait qu'on est Fédération Gang yo facilité quantité crime violent à insécurité en Haïti diminué. Oui, 6 jours après renouvellement mandat BINU, Nations
Nations Unies changer langage oui, pour annoncer yo pral mobiliser et forcer pour empêcher gang et exam yo continuer à multiplier dans pays hein, ça qui d'après ancien sénateur l'Ouest a montré un clair échec Nations Unies en Haïti en côté ancien sénateur Steven Benoit il était parlé concernant dans micro Winchell Adrien. Nations Unies, traditionnellement, depuis 45 que plus les réformés, Nations Unies n'ont jamais réglé rien à travers le monde. C'est vous connaissez 5 grands pays qui doivent accéder tout. Donc, vous mettez 200 pays votés, et puis, vous avez 5 grands puissances, que la Chine, que les États-Unis, que l'Angleterre, que la France, que la Russie, mais ça, vous faites ça, vous voulez, depuis que vous n'avez pas d'accord, tout va être bloqué. Donc, on a Nations Unies, pas de démocratie, fonctionnement. Donc, on a Nations Unies, tout va être, nous connaissons les grandes puissances qui mettent en tête, qui mettent ensemble, pour vous faire ça, vous voulez, dans ce pays. Et Haïti, où est depuis 30-40 ans, ou 30 ans, même depuis l'année 57, depuis le dictature du Valais là, est-ce que les Nations Unies déjà m'étaient fait d'Haïti? Pendant 30 ans du Valais là. Non? Donc je dis à moi, mais tout ça, les Nations Unies là, il y a plus de toujours, et puis la galerie de ce pays qui part sur l'enquête sur Haïti, qui part, premièrement, Haïti nous pas concerné, jusqu'à ce que les petits pays habitants après la République dominicaine, etc. Donc même, toutes les Nations Unies n'ont pas même une droit de ça. Ce que c'est comment le pays m'a dit. Je dis à un pays pas utilisé, pays mal gouverné. Et en matière de sécurité, chaque monde va traverser n'importe quoi dans le pays. On va passer par le massif, on va passer dans la timonie, on va passer dans la côte, on va passer dans les organes, on va passer dans les gens. Qui en est bouchou? Parce que quand on a opéré en toute impunité, on va faire passer samedi, on va mettre ça sur le passif comme ça, où on groupe d'aide à ZAM, Mme Académie 15, qui campe et capture, la police couille, à cacher tout. Donc, ce tient-là, plus clair pour tout le monde, c'est pas venu pour dire ça. Nous, nous avons vu la rue à chaque jour, que le camion a fonctionné en toute impunité. On est là. On est aux États-Unis. Éventuellement, il faut avoir un success story. Pour dire que le réussit en Haïti avec élection. Et nous, clair, nous disons que l'élection pas 4-7 avec camion. Élection pas 4-7, parce que c'est pas une carte électorale pour 7 millions de monde qui ont la de voter. D'après Dieu, que l'on est 2 millions 4 qui ont 7 millions 4 qui vont distribuer. Donc, il y a un échec qui a atteint. Il y a un échec que je te promets qu'il y a une élection à la fin de l'année. Il y a un échec qui a une élection ni à l'année, ni à l'année prochaine. Parce que techniquement, ce n'est pas possible. Il n'y a pas trop de pompes qui ont dit ça. Et deux, il y a un échec parce qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a une élection qui est qui parle de l'élection. Il y a un échec qui a changé le langage. Donc, ça, on dit à mon bon acte qui a changé le langage. Au moins, je dis à mon bon compte qui a fait un erreur dans le monde. Parce que le monde, tout le monde, l'autre, il m'a dit, l'autre, il m'a dit, tout le monde, il faut. Donc, je dis à la, il y a un peu de temps. Donc, il y a une nouvelle stratégie. Et là, la chose, il va l'obliger à tendre la société haïtienne, non? Nous allons obliger un des partis politiques qui respectent les têtes, pas un corruption, pas un volet, pas un clan qui va dans ce monde, pour nous chuter avec Haïtien, pour nous tendre à Haïtien. Haïtien, c'est la paix livrée. Quand vous voulez qu'on vienne de ce pays, Haïtien, c'est pas comme, quand vous voulez investir pour faire, quand vous voulez tout le monde, moi, et puis à l'école, en toute sécurité, quand vous voulez que vous plantez avec l'école, et vous voulez que vous familles en toute sécurité, quand vous voulez que vous voulez que tout soit qu'on a eu, pour vivre même à Dominique, Jamaïque, donc, je dis, on a même actuellement que je vais peut-être tout mettre à ta fin. Donc, je vais revoir le message à soi ici. Et moi, même si vous êtes en train, c'est bien fait, nous, on a fait le tout. Ancien sénateur Steven Benoit, insécurité continue à tailler dans un pays. Ancien sénateur Antonio Cherami, rend Nations Unies responsable situation insécurité à la Fédération Gagnon en Haïti. Ancien parlementaire dit qu'il pas comprendre aujourd'hui à Nations Unies à tourner l'angle sous situation insécurité en Haïti. Seulement 6 jours après, il a été fait un renouvellement d'Abinu. D'après Antonio Cherami, Nations Unies doit reconnaître les principales responsables situation critique pays depuis quelque temps. Et puis, responsabilité. Un côté déclaration Antonio Cherami, dans micro Wenchel Adrien. Moun sa yo, dit la journée, c'est pas li yo dit la nuit. Et c'est bien dommage. Nous toujours gen des dirigeants qui marchent selon volonté moun sa yo, selon désir moun sa yo. C'est en bas des Nations Unies là, nous gon pouvoir qui transforme tête li en gang. Et yo continue à collaborer avec pouvoir, yo continue à supporter pouvoir. Yo gade massacre la Saline, yo gade massacre Bel Air, yo gade massacre et de Tokyo, nous gardons qui quantité monde qui a mouru, et nous gardons des bâtonniers qui mourent, nous gardons des étudiants qui mourent, eux-mêmes, nous continuons à
supporter pouvoir PHTK qui connaît un projet la mort parce que PHTK son projet la mort gagné c'est ça que fait chaque côté le passé où est-ce monde mourir quitter et ben je dire qui ça qui vient arriver mais on fin tenté à travers congrès à des décisions qu'à prendre et ben je dire yo sorti pour yo virer l'anglais c'est comme si nous t'a dit au pays d'Haïti lui-même il pas gagne monde qui a réfléchi il pas gagne monde qui a prendre note et ben nous-mêmes qui c'est avant-gardiste nous-mêmes qui c'est monde qui a gouverner dans camp défavorisé qui oublie détruire nous dit Nations Unies si ça arrive là aujourd'hui dit c'est principal responsable parce que c'est en bas Jules PHTK transformé en gang c'est en bas Jules toute journée distribution d'armes en fait c'est eux même encore qui t'ai dit tout dernièrement formation gang yo gen moins monde qui mouri jodi a ou pas gen pour démarquer yo gen pour assumer responsabilité aussi Nations Unies même qui cause pays à tomber dans ça qui fait jodi a nous un pays c'est gang qui a dirigé nous un pouvoir c'est gang qui là dedans et pour pas gang ou pas ca dans l'état c'est ça bagaille là aujourd'hui nous constater échec yo parce que l'autre fait une déclaration hier et puis jodi a au contraire dit sorti d'hier là faut qu'on ait courage faut que Nations Unies ait courage pour dire pour constater échec li en dans pays par rapport à gens qui même avec pouvoir PHTK yo entraîne pour faire pays à vinn tout non puis on junk côté ces bagailles ces coups d'âme toute journée garder ça qu'a privé belè moun belè pas qu'a dormi belè garder ça qu'a privé dans tant d'autres zones encore section communale longtemps les moun n'a des problèmes dans centre-ville les moun n'a des problèmes dans capitale c'est courir courir là dans pays là dehors jodi an gang envahi toute province Nations Unies là l'a gardé yo suivre tout bagaille yo continue à faire déclaration pour renforcer gang bon jodi an là si pour constater échec li c'est l'angle la virer nous même peuple haïtien nous pas prendre ça dans les Nations Unies l'a assumer responsabilité ensemble avec Jovenel Moïse qui gon projet la mort et qui a pas appliqué qui était cohérent parce que chaque jour c'est sur route ça que y a pas avancé yo t'a créé condition yo t'a créé condition pour renouveler tête yo jodi a finir renouveler tête yo qu'on y a dit bon yo changer l'an c'est nous pour qui connaît autre forme de nos manifestations le 17 octobre c'est dans manifestation contre peuple là t'es dans la rue m'te dit nous intervention que m'te fait m'te dit ni moun sa yo ni Jovenel c'est des bluffeurs yo n'a bluffé l'autre yo bluffé hier et puis jodi an il y a dédouané tête yo pour capable recommencer encore moi même moi penser jodi an peuple haïtien comprendre moun sa yo yo fait nous du tort et là yo joine avec des présidents pour pétrole tant que Jovenel qui pas ouais l'autre bagaille que rester sous pouvoir pour n'importe qui condition c'est ça qui intéresse bon yo même il y a toujours qu'à faire comprendre que y a Kembel et pendant ce temps, il a fini à payer Nations Unies avec Jovenel Moïse. C'est eux qui mettent le pays à l'ensalier là. Antonio, cher ami, ancien sénateur de la République, Don Kato, qui t'a fait une lecture de mes positions Nations Unies, mi fig mi raisin, devant situation et moun a vivre dans le pays d'Haïti, journée jodia. Injustice et impunité dans le pays d'Haïti, 944 moun mouri assassinés dans le pays. Sorti seulement, zami audite, mois janvier pour vivre mois août 2020. Dans deux dernières années, 9 massacres faits dans le pays qui la cause 306 personnes perdent la vie. Sans compter 55 personnes qui disparaissent par an, pas connaître si vous montez, si vous descendez, si vous avez trouvé go, si vous avez pile fatra. C'est si vous avez l'an, mais si requin déjà fait ça pour faire avec vous déjà, vous ne connaissez rien de vous. Nous avons cité l'organisation Petro Challenger, nous n'avons pas dormi, qui a cité le rapport organisation qui a défendu Amounio. Structure a lancé depuis 20 octobre une campagne dans la rue Port-au-Prince pour dénoncer sa impunité et banalisation de la vie moune dans la coupe d'Haïti. Il dit ça dernièrement, il y a une érosion qui a fait sur la vie moune dans le pays. Jem Beltis, une membre structure ça, mandé population à lever campé pour contrer carré danger ça qui pendait sous la vie chaque grain haïtien. Jounen jodi, an ap kote li te nan minko, li di Alexandre. En fait, nous pas dormi qui lui même qui déjà ba tête de commission bataille contre corruption, bataille contre impunité et puis bataille pour justice sociale, nous toujours intéressé dans question vulgarisation, violation droit monde, corruption et puis tout faire éducation sous nécessité qui gagne pour nous construire l'autre pays qui est juste. Et c'est dans ce sens ça, nous estimons que dans 8 derniers mois,
gagnons ensemble travail organisation droit moun yo fait sous violation droit moun en Haïti sous impunité et sous banalisation qui gagne sous la vie moun nous même nous baï tête nous comme mission pour nous vulgariser ensemble travail ça qui fait pour sensibiliser société a sous danger qui pendu sous tête pays a les dirigeants qui placés pour protéger bien moun protéger vie moun servir population pour de moun qui a fonctionné au frais de la République et puis pour gagner autant de meurtres de massacres qui fait dans pays a et puis pour ça passer comme ça non parler de campagne qui ça nous entend pas campagne qui contenu campagne ça travail campagne ça et surtout viser sensibiliser population pour nous capable camper train la mort ça qui déraille dans pays a et que dans mépris tout monde qui placé pour ta protéger population on a parlé de monde qui placé on a parlé du premier ministre qui c'est chef du gouvernement et qui à la fois chef CSPN on a parlé des mini justice on a parlé du secrétaire d'état à la sécurité publique on a parlé du chef de la police on a parlé de ensemble de commissaires qui à la tête d'un ensemble commissariat à travers pays et on a parlé du parquet de Port-au-Prince c'est ensemble ça n'a parlé parce que faut que population connaît que gen moun kap touché kap jouit privilège pour protéger mais malgré ça yo pa gen aucune sensibilité devant cadavre ti moun yo devant quantité femme qui a violé dans ville là et des quantités massacres qui perpétré en dans pays là pendant 8 derniers mois ça yo qui ça n'a pas tant après nous fin lancer campagne ça les nous garder quantité moun qui yo assassiné et nous à 944 moun en 8 mois qui ont exécuté par balle yo maspiné qui mouri dans violence et les nous garder gens nous dit mépris que dirigeant yo gagné par rapport avec situation ça et les nous garder rapport pour nous quantité froid et dans rapport yo yo dit clairement que il y a de connivence entre pouvoir avec ensemble assassinat ça yo dit presque normal que nous pas gain aucune attente par rapport avec pouvoir en place là qui clairement déclare population la guerre attente nous c'est que population lui-même les conscientiser les rendre compte les réellement en danger et que les prend destin en main donc nous tient à ce que population lui-même les mobiliser et que groupe dans société civile organisée population organisation de base yo rive joindre une façon pour organiser pour sortir dans situation malouk ça il travaille n'a fait travail de sensibilisation ça c'est un appel lié à population pour nous dire li en danger pour organiser la conséquence pour nous réorganiser société à réorganiser l'état réorienter institution en faveur population pour la vie tout le monde protégé pour la vie tout le monde compter et pour nous un sens à la vie chaque monde donc c'est ça qui attend nous avec campagne ça. Notre sécurité a salé après rapport ça qui présente niveau dégradation situation sécurité à quantité cadavre ça yo organisation droit moun yo recensé pour une période très courte faut que nous ta mette face à responsabilité au moun qui te gen job pour faire sécurité pays à la police la justice ministère intérieur conseil supérieur oui. Police nationale conseil supérieur police nationale la CSPN nouveau rebondissement dans dossier assassinat et ancien bâtonnier lors d'avocat Port-au-Prince mettre Montferrier d'Orval, c'est confirmé. Il y a plusieurs pièces à conviction dans le dossier le moment d'Orval qui disparaît dans le greffe tribunal première instance Port-au-Prince. Cependant, téléphone ancien bâtonnier à $2,000 américains qui dans le dossier a pas perdu puisque greffe l'an pas mettre dans le même espace. Là. Jean inspecteur direction centrale pour les judiciaires a demandé pour capable bien serrer téléphone bâtonnier qui c'est une pièce importante dans le cadre enquête ça n'a pas rappelé constat yo montré à clé gagné deux tiroirs qui crasé dans greffe paquet alors que porte principale pas crasé. Donc à juge de paix et depuis lundi 19 octobre l'ont déjà fait constat yo d'après Samar Gerson Félistin qui est collaborateur nous qui accrédité dans palais de justice pour Radio Caraïbe rapporté et ou joindre ça passé le passé parce que pas gagné même petite caméra hein? Non pas la justice mais en bois tout j'ai bouffé là d'un greffe là j'ai expliqué là c'est une situation compliquée non caméra mais t'as qu'à ouais même mon entier masqué t'as qu'à ouais profil là pas gagné ou Romain a dit une institution comme ça pas la justice ça va même dans Caïpal même si peut-être l'état qui doit venir et non c'était propriété à Koulia c'est un ancien bâtiment ambassade américaine. Hein? Et la donne par la justice. Là, c'est ça, par la justice qui était tombée dans la zone de l'école normale. Donc, il n'y a pas de réparer. Il y a pas de projet pour réparer par la justice. Mais il n'y a pas de possibilité.
partager espace cour cassation, puisque avant cour cassation t'es presque dans le même bâtiment et à palais de justice à côté. Oui, bon. Parce que côté lié en bas là, il pas bon, il pas faire honneur tout à justice pays. Ben oui, mais ça m'a montré là, c'est que ça dit pas grand, il y a besoin pas grand quelque moins pour retracer ça qui passé là. Oui, parce qu'on est avec Vénil, le travail, puis après ça là. Oui, c'est un dilemme tout. Travail, juge, instruction. Yo. Et donc, comme on va demander au juge là, pour le faire, pour l'instruire un dossier, une affaire, pendant qu'on dit des liens, il n'est pas joint. Et comment on va l'apprécier, le dossier. Vous venez, vous dites que là, dans le cambriolage. Les tirer sur le monde, mais côté ZAM. Côté ZAM, non. Les baguettes ZAM. Ils ont fait balistique là. Vous mettez le juge là dans une situation difficile pour le prendre une décision. Sinon, que libérer le monde. Libérer le monde, ils avaient très souvent, attendez, bandits apparaissent, les libérer. Donc, c'est ce genre de problèmes ça. Et c'est pas